drop. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Cap84 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. L'épisode 15 de Road to France les amis. Dans le précédent épisode, on a obtenu un plus 15 en up tout simplement. Et donc on va pouvoir augmenter des joueurs tout simplement. Donc on va changer quelques joueurs, je vais les mettre directement sur le banc de réserve. Donc on va le mettre là. Donc ce sera Van Damme qui va sortir dans cet épisode. Il y aura également notre ami Cabasele. Il y aura Guillaume Gillet qui va sortir. Et il y aura le milieu droit Bakali qui vont sortir dans cet épisode. Donc on va commencer par le défenseur central. Le défenseur central droit. Il évolue dans le plus grand club au monde, tout simplement. C'est un joueur qui s'est blessé malheureusement à la Coupe du Monde d'une façon toute bête, hein, à l'échauffement, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, je l'ai mis parce que j'avais envie de le tester. Je ne l'ai pas encore testé cette année. C'est tout autre, tout simplement, que notre ami Vermaelen. Vermaelen, le joueur du Barcelone, qui joue quand même un peu plus hein, pour le moment. Et donc lui, j'ai pris un plus 7 pour l'obtenir. Donc ensuite, on va aller chercher le défenseur gauche. Je délaisse mon petit Van Damme, hein, notre capitaine rouge qui est parti en MLS tout simplement, pour nous prendre un défenseur gauche qui est aussi bon. C'est Chimanga. Vraiment, il est très très bon ce petit Chimanga. Et lui, j'ai pris un plus 2 pour le prendre, ce qui veut dire que pour le moment, j'ai pris un plus 9. Ensuite, on va aller voir le MDC, milieu défensif. J'avais Gillet, il était très très bon. J'étais même très étonné de son niveau dans le jeu. Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc voilà, j'ai changé pour mettre un joueur hors. Voilà. C'est pas ça, c'est pas l'MDC, c'est pour ça. C'est d'autres que le soulier d'or, les amis, de cette année. C'est bien évidemment Kums. Kums, pas en version boost, j'avais pas envie de prendre la version boost. J'avais envie de tester déjà la version régulière pour voir. Et donc lui, j'ai pris un plus 2 également pour l'avoir. Ce qui veut dire que maintenant j'ai un plus 11. J'ai retiré un plus 11, donc il me reste un plus 4. Et on va aller chercher le milieu droit. Il n'y a pas beaucoup de milieux droits en Belgique hein, cette année. Ils ont mis tous les milieux latérales à gauche. Je comprends pas pourquoi, c'est pas grave. Parce qu'il y a Miralas par exemple qui joue à droite et tout, mais là ils l'ont mis à gauche. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un ancien Anderlechtois. C'est Massimo Bruno, tout simplement, que j'ai pris pour épauler cette équipe. Et lui, j'ai pris un plus 1, donc il me reste, si je dis pas de bêtises, un plus 3. Vu qu'il me reste un plus 4. Je vais quand même recompter et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, il me reste effectivement un plus 3. Donc lors des précédents épisodes, j'ai oublié de mettre au-dessus à droite tout simplement le nombre de ups que j'avais. J'en suis désolé, c'est un oubli de ma part. Je sais pas comment j'ai pu oublier ça, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, je vais mettre les joueurs qui sont dans la réserve là sur le banc. Et on se retrouve tout de suite pour le premier match de cette série. On fait un petit bilan les amis de où on est dans la division. On est en division 7 les amis. Lors du précédent épisode, on a fait une victoire, un match nul. Donc on a 4 points. En espérant qu'on puisse déjà obtenir le maintien dans cette vidéo. On pourrait, si on gagne nos deux matchs, avoir 10 points. Donc ce qui nous franchement féliciterait la division, parce que si on arrive à avoir 10 points en 4 matchs, je pense que la montée sera directement sur certains atteignables. Donc on verra bien si on arrive à le faire. Donc les amis, je lance le match, on se retrouve dès que j'ai un adversaire.
On est parti les amis pour ce match. On rencontre une belle équipe mix espagnole. Enfin non, mix les Barclays et BBVA, tout simplement. Vu que j'ai vu qu'il y avait que des Espagnols, je pensais que c'était un truc comme ça, mais en fait non. Il a mis Mata dans l'axe. Bon, je trouve que c'est sa vraie position. Moi, je n'aime pas trop ce flanc. Donc voilà, à mon avis, ça va être le cas pour lui. Donc, on se retrouve pour l'amélioration de ce match, les amis, en espérant qu'il sera que sympathique. Let's go. La défense qui récupère. Magnifique le centre. Oh non, la tête est complètement manquée. C'est Massimo Bruno, ça, je pense. Je sais pas, en tout cas, la tête était complètement manquée. Je suis dégoûté parce que c'était un magnifique centre. Et on aurait pu directement avoir l'avantage grâce à cette première occasion, mais bon, c'est pas grave. Mais attention, au centre, magnifique parade du gardien. Le gardien est encore présent, les amis. Ça fait plaisir. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Franck? Défenseur qui s'est monté comme qu'il faut pour apporter du bien joué, Tillemans. La phrase de Tillemans, c'est la but de Youri Tillemans, ça fait plaisir. 21e minute de jeu, enfin 22e maintenant. Le but de Youri, ce qui nous fait prendre l'avantage, ça fait plaisir, les amis. On continue comme ça, on y en obtient grâce à ce but, un plus 2 en up, ça fait plaisir. On continue. Attention, et ouais, j'ai mal défendu les gars du début jusqu'à la fin de cette action. C'est tout à fait de ma faute. Ce but est pour ma part, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu, je n'étais pas concentré. Donc c'est tout à fait mérité qui marque. Le poteau! Oh la frappe de Tillemans! Et la transversale qui vient de faire chier comme d'hab. C'est pas possible. Les poteaux, franchement, je pense que je suis abonné hein, chaque année. Hein. Sans renouveler mon abonnement, je suis toujours abonné au poteau. Donc au moins je paye pas quoi. Même. Voilà quoi, c'est assez abusé quoi. Bon bah les amis, pour le moment c'est un match nul. C'est tout à fait de ma faute. Parce que j'ai mal défendu, je sais pas, j'ai vu un truc qui m'interpellait sur mon téléphone. Et je sais pas, j'étais en train de réfléchir à ça et donc j'étais vraiment à côté de la plaque quoi. Je jouais pas comme j'aurais dû défendre, enfin j'ai pas défendu comme j'aurais dû défendre. Et c'est tout à fait de ma faute, donc voilà. Là, je vais me reconcentrer dans cette deuxième mi-temps et en espérant que cette boulette là va pas m'empêcher d'avoir les 3 points. Non, il va y avoir danger. Divo Corrigui. Aspilicueta. Tillemans, encore une fois le poteau. Oh là là, c'est pas croyable les gars, mais j'en peux plus. Divo Corrigui. Bien Divock, la frappe. Et franchement j'ai vraiment de la poise dans ce match, c'est un truc de fou. C'est bien joué là de la part du gardien. Allez, il faut relancer son équipe maintenant. Ferreira Carrasco. De Divock, la frappe et l'incroyable arrêt de Ter Stegen. Oh l'arrêt du gardien là, ils vont splendide. Belle passe. Jackson Martinez. Bien gardien, bien joué gardien. Attention les gars. À la défense, bien. Et là c'est enfin capté. Oh là là, il a du travail en ce moment. Allez Via. Allez Via. La petite passe ici. Pour la frappe. Et le but. But de 2 points, les amis. Oui. Le magnifique but de 2 points sur le contre-attaque. Il fait plaisir, j'ai rattrapé ma boulette, ça fait plaisir. Oh putain, pour le moment j'ai cru que je n'allais pas réussir à rattraper ma boulette. Mais j'ai quand même réussi. Ouh, c'était moins d'une, hein. Purée. Yes les gars.
directement le but de la victoire, Franck. Bah écoutez, Hervé, ça ne va plus bien. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, et c'est sûr qu'ils ont choisi le bon moment pour placer cette accélération. Oh non, 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 non. Ouais, je l'ai dit. Non, mais vous avez vu la meuf qui se passait là? Attendez, j'espère qu'on va bien voir la ralentie. Ici. Maintenant. Voilà. Si j'appuie pour dégager la balle. Enfin, j'appuie déjà de 1 pour le rond. Ça a rien fait vu que ça a fait ça. Après, j'appuie un peu tout de suite au carré. Franchement, je suis dégoûté. C'est vraiment dégueulasse ce qui vient de se passer. Le mec, il fait un coup droit tout dégueulasse. Il y a un buff comme ça qui m'empêche de me dégager et je me prends le but. De poitre, dommage. Autant les amis, le premier but est totalement pour ma poire, mais le deuxième, c'est scandaleux. C'est scandaleux le deuxième but que je me prends. C'est un trou de fou. Franchement, je suis vraiment dégoûté du deuxième but que je me prends. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. 2-2, j'ai envie d'aller le revoir ce but. On va aller le revoir. Hop, notre... non, c'est pas là, c'est moment fort. Moment fort. Voilà, ici, à la Turan. Ralenti. Voilà. J'ai bien envie de vous montrer. Caché, voilà. Donc, on va le passer là, ici, voilà. Donc ici, déjà, on était quand même assez nombreux pour défendre. Hein. Ici, il passe. Je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'ici, j'arrive à récupérer le ballon. On le voit là, je récupère le ballon. Je récupère bien le ballon. Je veux me dégager, j'appuie directement. Bon, il y a un petit bug aussi, hein, on peut le remarquer. Il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave. Donc, je veux me dégager avec le carré. J'appuie tout le long sur le... J'ai pas voulu me jeter, j'appuie sur le rond pour défendre. Et j'ai défendu avec le L2. Ici, je récupère la balle. Mon joueur me bourre dedans et m'empêche de dégager le ballon. Je tombe, le mec il récupère la balle et moi je suis complètement... Après je peux plus défendre les gars parce que le mec il est lancé dans sa course. Moi je m'attends pas à ça. Et le but, voilà. Franchement, j'ai vraiment la poisse dans cet épisode. Entre ça et les deux ou trois poteaux que j'ai fait dans ce match, c'est vraiment la poisse. Hein. C'est vraiment la poisse, mais bon. En tout cas, voilà, c'est comme ça les amis, c'est comme ça. On va accepter ça. Donc. Les amis, on a obtenu un plus 4, plus le match nul, un plus 5 dans ce match. Donc on y ajoute le plus 3, ça fait un plus 8 pour le moment. Donc on verra bien si on va avoir beaucoup plus de up lors du prochain match. On se retrouve pour le deuxième match et on va voir aussi le classement. On pourra se maintenir dès le prochain match. Allez, on est reparti pour ce match, les amis. Pour ce deuxième match, plutôt. Une grosse BBVA. Donc, va falloir faire attention, les amis. Donc, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match, en espérant avoir un peu moins de poisse que lors du précédent match. Bien, gardien. Bien joué, gardien. Oh, bien joué gardien, encore une belle frappe de notre adversaire. Et le gardien qui est encore une fois bien présent. Bon, mon adversaire fait que des frappes de loin, mais après voilà, je suis sûr les gars qu'il aura les sales stats après à la fin du match parce que j'ai du mal à garder la balle dans mon équipe et lui il n'arrête pas de faire des frappes de loin hein, donc bon, je pourrais faire exactement la même chose que lui hein, faire des frappes de loin pour avoir les stats moi je trouve pas ça très utile pour moi mais bon voilà quoi les gars c'est comme ça hein, il fait ce qu'il veut à un moment je sens que ça va rentrer mais voilà j'espère que ça va pas rentrer et qu'on va réussir à lui mettre un beau but. Bon c'est la mi-temps les amis et comme je l'ai dit il domine dans les stats, hein. il domine tout court, j'arrive pas à faire mon jeu.
Donc voilà, je ne vais pas enchaîner deux passes de suite. Voilà, 69% de précision de passe, voilà, ça veut tout dire. Et si tu n'arrives pas à faire des passes, tu ne sais pas te créer des occasions. Donc je vais te vous dire, sans passe, ben, pas de but. Et pas de but et pas un bon match. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Godin. Oh, il a enrhumé son vis-à-vis. Karim Benzema. Benzema. Bien gardien. Okay, bon les amis, je pense qu'on va essayer de tenir le match nul parce que j'arrive à rien. J'arrive même pas à passer sur mes terrains. Ces joueurs sont plus physiques que les miens. Apparemment, mes joueurs ne savent plus rien faire, bizarrement d'un coup. Donc on va tout miser sur match nul parce que je pense pas que je vais réussir à aller marquer un but, surtout avec des passes vraiment merdiques comme j'ai depuis tout à l'heure. Ah, peut-être une bonne passe ici, si ça marche. Ah oui, enfin une bonne passe. Ah oui, oui. Ah oui, voilà. Il suffit que je me plaigne, que je me plains pour avoir des bonnes passes. Ah mais est-ce que peut-être temps. Voilà, ça démontre directement, les amis, la physionomie du match. J'ai pas eu. J'ai tenté plein d'occasions. Les passes étaient catastrophiques. Ici, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et ben on marque. Ça fait plaisir. 58e. Après tout, on va dire c'est du vol. Mais en même temps, les amis, sur 8 frappes, il en fait 6 de loin. 6 au rectangle à plus de 40 mètres. 40 mètres, j'exagère un peu. Mais bon, voilà, vous avez compris quoi. Donc il a dû faire 2 ou 3 frappes dans le rectangle. Le reste, il tente des frappes au pif. Moi si je voulais, j'aurais commencé ça. Mais je frappe pas au pif, moi, donc voilà. Donc après, les personnes qui disent que c'est du vol, je peux les comprendre. Mais moi, je trouve pas que c'est du vol. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de créer des occasions. Ça marche pas. Je persévère et j'ai réussi à marquer mon but et ça fait plaisir. On continue comme ça, les amis, pour la suite du match. Voilà, là il mérite son but. Il a très bien joué le coup. But de Benzema. Un partout. Oui, elle est bien donnée sur la tête de 2-4. Dommage. Oui, Raman. Oh, le petit pont, dommage. C'est pas passé. Bien joué, Raman. Franchement, ce mec, il est trop bon. Allez, les gars. Ah non, c'est pas pour lui, c'est pour en retrait. Mais non, mais c'est quoi cette poisse? Franchement, j'ai vraiment de la poisse dans cet épisode, c'est un truc de fou, les gars. Dans la surface pour ce corner important, à l'encontre. Oui, les gars. Du jusqu'au boutisme, les gars. Le but. Ça fait plaisir, les gars. J'ai bien vu le coup, là. J'avais vu tout seul. Je l'avais vu. Yes, les gars. But de 2 points. Allez, on continue comme ça, les gars. Allez, 2 points, allez, Raman, dommage, il n'est pas rentré, mais oui, les gars, on a tiré cette victoire. On l'a pas eu lors du précédent match, parce qu'on s'est fait rattraper en fin de match. Mais non, on l'a eu. Et les amis, je vais juste dire une chose, avant de voir les stats, dominer n'est pas gagné. Ça fait plaisir, les amis, notre gardien a encore fait un énorme match, un beau fin. Franchement, ce gardien, il est énorme. 9 arrêts, il nous a fait. Son gardien, il en a fait 3.
Donc ça fait plaisir les amis. On va aller voir tout simplement les stats. Voilà. 13 tirs à 7, 4 tirs cadrés à 10, 55% de possession à 45. Mais la plupart de ses frappes, on va dire, je vais même dire plus de la moitié de ses frappes ont été frappées de loin. Donc voilà, si s'il aurait plus construit son jeu comme je l'ai fait, tout simplement, il aurait les mêmes stats que moi, en tout cas, je pense. On voit que j'ai vraiment eu du plus facile en deuxième mi-temps parce que maintenant j'ai 74 de pression de passe. Il y en avait 69 au début de la première mi-temps. Donc voilà, ça. Enfin, à la mi-temps plutôt, j'avais 69% de pression de passe. Et là, ben, ce qui fait qu'on voit que ça a été mieux, donc tant mieux, les amis. Donc on obtient les 3 points. Donc on est maintenu pour le moment. On a marqué 2 buts. Donc je vais aller voir sur le total de ce qu'on a comme up et on se retrouve tout de suite. Eh bien les amis, on a obtenu un plus 15 en up, exactement comme après sur la vidéo. Comme ça, ben, c'est dit. Donc on a obtenu un plus 15, ça fait plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine tout simplement pour l'épisode 16 de Road to France. On avance vraiment très rapidement. On est à l'épisode 16, on a pratiquement une équipe entièrement hors. Je pense avoir une équipe entièrement hors lors du prochain épisode. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc les amis, c'était Clear 64. Prenez soin de vous. Ciao ciao.